l'idée c'était de dire faisons un bel outil, mais surtout qu'il soit pratique pour que tout le monde ait le plaisir, la facilité de faire un plat de pâtes comme faisaient les mouliniers italiens. En fin de four, ils mettaient à cuire dans un peu de bouillon, une pomme de terre, des pâtes. Et... C'est exactement le genre de projet qui part plutôt d'un plaisir, d'une envie d'avoir ou un nouvel outil, inventer un nouveau geste. Je pense que dans cette gamelle parfaite, qui fait plaisir à l'œil, on peut tout y mettre, tout y faire. La cuisinière, le cuisinier d'un jour, il va pouvoir s'amuser à mettre un peu tout et n'importe quoi et à remuer, avoir le geste juste et passer de la cuisson à la table, à partager avec les enfants, à partager avec les amis. Moi j'aime bien cette idée très simple qu'on a eue, c'était de se dire cette casserole, on va pouvoir la poser au centre de la table. Elle est suffisamment belle pour ça, elle exprime justement tout ce dont on a parlé avant. La cuillère, on sait où la mettre, elle est là, on la cherche pas d'abord. C'est l'outil aussi pour servir. Elle vient se mettre dans le manche, ça a été un enfer. À le résoudre, que ça marche, qu'on ne se brûle pas en fin de compte avec la vapeur. Il y a des matériaux différents, il y a trois matériaux. Mais c'est l'aboutissement de 3 ans d'échange, même de travail. 4 ans. Ouais, 4 ans. Mais c'est bien, je pense qu'il faut du temps. Petit à petit, l'objet s'est raffiné. C'est même sophistiqué. Mais d'abord, elle est très belle et elle sert à se nourrir. Ça va être assez simple comme repas. Et il faut que le moment où on le fait, tout se passe bien, ça soit en adéquation complètement avec ce qu'on va manger. Le contenu est en harmonie. Mettre dans cette gamelle et puis il suffira de remuer, d'y mettre un peu d'amour, d'humilité, de sel, de poivre, d'épices et d'amitié. De l'idée initiale à aujourd'hui, il y a beaucoup d'étapes, mais enfin pour moi en tout cas, c'est une grande satisfaction de voir, de toucher, et finalement on pourra y faire plein de choses, on peut y faire des soupes, et vraiment il faut que ça devienne la casserole universelle.